Un produit absolument génial qui va vous aider, qui est pas cher, qui va vous aider à rajeunir de façon, et je peux vous le montrer de façon scientifique, je vous explique ça tout de suite. Ça aussi, ça vous aide aussi à perdre du poids et à augmenter votre niveau d'énergie, à être en pleine forme. Je vous le dis dans 5 secondes. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors tout de suite, de quoi je vais parler? Bah, vous savez que, et j'en parle dans d'autres vidéos que j'ai déjà faites, on mesure l'âge biologique, l'âge réel hein, qui passe sur votre passeport, là, votre âge réel, par ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN. En regardant la méthylation de l'ADN, c'est le docteur Horwath qui a inventé donc, ce qu'on appelle cette horloge biologique. Et on sait mesurer ça avec un test salivaire, on envoie ça dans un labo et on vous donne 6 à 7 semaines après, on vous donne les résultats de votre test et on vous donne votre âge réel. Voilà. Eh bien, on parle souvent de méthylation, donc pour avoir une bonne méthylation de l'ADN qui est optimale, il y a un produit absolument génial qui contient des donneurs de méthyle. En fait, les donneurs de méthyle sont absolument indispensables pour avoir une bonne, un bon parcours journalier de votre métabolisme, et ces donneurs de méthyle, on en trouve dans la bétaïne ou dans le TMG, la triméthylglycine. Ce sont des produits pas chers. Si vous avez essayé de les avoir en comprimé, mais souvent, comme c'est pas cher, c'est en poudre. La poudre est un peu salée, mais si vous diluez ça dans un petit peu de jus, la triméthylglycine, donc c'est des donneurs de méthyle qui vont améliorer votre âge biologique et si vous avez assez d'argent, bon, c'est un test qui coûte 300-400 euros. Mais si vous voulez tester votre âge biologique, je vous donnerai un lien. Écrivez-moi et je vous enverrai par email un lien sur Société Anglaise qui fait ça. Essayez-le. Essayez de manger de la bétaïne. Donc la bétaïne, c'est plus du diméthylglycine. Donc il n'y a que deux radicaux de méthyle. La triméthylglycine en a 3. Donc si vous trouvez TMG, je vous laisse un lien en bas vers une bonne TMG que moi-même je prends. Alors je prends ça pas tout le temps non plus, on prend ça, moi je prends ça un mois sur deux, parce qu'il faut jamais habituer son corps non plus, il faut toujours segmenter. Mes résultats au niveau d'âge biologique sont absolument géniaux et j'ai vu une sacrée amélioration en prenant donc 2 grammes, 2-3 grammes de TMG tous les jours. Vous pouvez aussi prendre de la bétaïne. Donc allez en pharmacie, achetez bétaïne, hein, ça vaut pas cher, c'est des produits à quelques euros et qui en plus sont extrêmement bons aussi, surtout au niveau de votre estomac, ça aide à la digestion, bon, un certain nombre de choses, qui est absolument génial. Donc aujourd'hui je vous parle donc, comment rajeunir, rajeunissez en ayant assez de méthyle pour que la méthylation se passe bien et ça se voit dans votre âge biologique une fois que vous comparez. Donc là on a vraiment un outil. C'est un outil encore cher, bon, je pense que dans quelques temps, les prix pour mesurer votre âge biologique vont baisser, mais cette méthylation de l'ADN est absolument indispensable pour rajeunir. Voilà, je ne vais pas faire plus long, TMG, triméthylglycine ou bétaïne, les deux produits qui sont des donneurs de méthyle pour améliorer votre longévité et paraître plus jeune. Je vous dis à très bientôt, laissez-moi vos commentaires, appuyez sur le petit bouton, namasté. Thank you.